Au suivant. Suivant. Marie. Ah, te voilà. Bon, bah Marie, viens, assieds-toi, s'il te plaît. Bien, Marie. Tu veux bien regarder la caméra, s'il te plaît. Juste là. Marie. Là. Voilà, super. Ton truc, il n'est pas branché. Tu sais, l'appareil, là, il est cassé. J'en ai pas besoin. D'accord. Mais pour l'audition, ça ira. J'en ai pas besoin, j'ai dit. Bon, bon. Bon, Marie, est-ce que tu es prête pour l'exercice? Alors, juste à côté de toi, normalement, il y a un objet. Tu peux le prendre, s'il te plaît? Là, Marie, à tes pieds. Voilà. Alors, le but, c'est d'improviser une histoire à partir de cet objet. Ça ira pour toi? Ok. Bon, tu es prête? 1, 2, 3. Allez, c'est parti. C'est mon premier amour qui me l'a offert. Oh, ça va. Arrêtez de vous moquer de Marie, s'il vous plaît. Elle fait beaucoup d'efforts. Hein, ça vous dirait de vous retrouver à sa place? Moi, je vous dis, c'est pas facile de vivre avec un handicap. Handicap? Vous avez dit handicap? Non, Marie, je voulais pas dire ça. Pas du tout, Marie. Vous pensez que je suis triso, hein? Je veux dire que je te trouve très courageuse. Vraiment très courageuse. Courageuse. Faire du théâtre quand on est quasi sourde, c'est ça le courage? Pas du tout, Marie. Ou supporter cette bande de cons au quotidien? Mais voyons, mais... C'est vous qui êtes courageuse, madame, de vous occuper d'une handicapée. Bravo, gros mérite. Esprit de sacrifice, ça fait bien dans votre famille. Et ça rapporte aussi. Si on se met à refuser les cons et les handicapés, il n'y a plus personne. C'est pas bon pour les affaires, ça, hein? Mais Marie, mais enfin... Mais... Super, l'impro d'une sourde avec une flûte. Challenge, symbole d'espoir et tout. Vous savez quoi, votre flûte, j'en ai rien à foutre qu'elle fasse du son. Je me dis juste que ça fait un bon goût de budget. Tu ne m'as jamais rappelé. Ouais, mais... Parce que t'aimes pas appeler, toi. T'as choisi ton test? T'as commencé à t'entraîner? Tu m'entends? De la vie, de l'amour, de la mort, de tout. Il y en a des choses à dire, enfin.
Philémon, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Eh bien, je ne sais pas. De la vie, de l'amour, de la mort, de tout, il y en a des choses à dire, enfin. Ça arrive au meilleur, mais moi, j'ai raté ma première audition. Je m'en rappelle très bien. C'était pour un rôle super intéressant de vendeur de pizza. Tiens, en parlant de confiance en soi, où est Marie? Est-ce que quelqu'un peut appeler Marie? Marie, Marie. Ah oui, c'est un peu embêtant de... Est-ce qu'on peut envoyer des SMS à Marie? Est-ce qu'on peut envoyer une lettre? Ça va être compliqué, là. Ça va être très compliqué. Calme-toi, calme-toi, Marie, regarde-moi. Tu m'entends, Marie? Je veux que tu te calmes, on va parler. Marie, on va parler, calme-toi. Max! Mais t'es malade ou quoi? Mon visage, je fais comment pour l'audition, moi?
Thank you.
Mm-hmm.